Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitches sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très rapidement et très facilement. Alors le premier glitch que je vais vous présenter, c'est un glitch carrément AFK normalement. Non, celui-là je vais le garder pour le deuxième. Le premier que je vais vous présenter, c'est un glitch qui peut vous rapporter énormément d'XP, genre 150 000 XP en une seconde. Donc là, je vais vous présenter ça. Donc, bien entendu, pour réaliser les deux glitches, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite et ensuite aller près d'un pad et noter le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 38909555690. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale 87. Oups, j'ai enlevé l'égal. Hop, 87. Voilà, comme ceci. Mettez bien ce code là parce que je ne sais pas si sur les autres versions ça le glitch fonctionne. Donc, normalement il ne fonctionne pas sur les autres versions. Donc mettez bien, notez bien le même code que moi qui sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc voilà, là vous attendez que l'île se charge. Quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir en tant que créateur, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM. M en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font. C'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Alors ensuite, vous appuyez sur carré pour lancer la partie. Et là, vous allez faire exactement ce que je vais faire. Donc déjà, on va chercher après le fusil à pompe qui est juste à côté du bouton code créateur. Voilà, juste là. Le fusil à pompe est juste ici. Donc ensuite, vous allez construire deux plats. Je me suis trompé de touche. Deux plats. 1, 2, ensuite vous construisez 20 escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous construisez 20 rampes et ensuite vous construisez un sol. Et là, normalement, dans le coin inférieur gauche, supérieur gauche, il y aura un bouton interagir. Donc là, normalement, ce bouton va vous donner 100 000 XP en une seconde, voire 150 000, voire plus, voire moins. Ça dépend ça, en fonction des comptes. Donc moi, là, je suis niveau 22. Il me manque 69 000 XP avant d'être niveau 23. Alors, bien entendu, j'ai déjà glitché avec ce glitch, avec ce compte. Je fais que ça, de toute façon, avec ce compte. Donc c'est possible que je gagne moins d'XP. Mais bon, la personne qui me présente le glitch, lui, a gagné 100 000 XP super rapidement. En une seconde. Donc voilà, c'est parti, on va appuyer. On va voir combien moi je gagne. Hop, je spam. Déjà là, je suis à 3000. Ok. Donc on va regarder. Ok, donc là, j'ai pris 39 000, 40 000 XP. Je vais continuer à appuyer sur le bouton interagir pour voir. Je suis à 50 000, attendez. Hop. Ouais, je suis toujours à 50 000, donc je pense qu'il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton interagir. Ouais. Ah si, il donne encore des XP en fait. Ok. Donc là, je suis à 42 000, j'ai commencé à 69 000 je crois. Donc j'ai gagné facile 30 000 XP. Donc voilà, là, moi j'ai gagné 35 000 XP. C'est possible que vous gagnez plus d'XP, c'est possible que vous gagnez moins d'XP. C'est totalement aléatoire, donc faut tester. En plus, c'est super facile. Donc voilà. Alors bien entendu, quand ça donne plus d'XP... Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement appuyer sur option, retourner à l'accueil et recommencer le glitch. Et voir si ça vous redonne des XP. Donc là, ça m'a redonné un peu d'XP. Je suis à 34 000 XP. Donc j'ai commencé à 69. Ouais, ça fait presque 60. Ouais, ça fait 65 000 XP. 60, ouais, plus ou moins 65 000 XP. J'ai gagné en moins d'une minute. Donc c'est très, très, très rentable. Alors maintenant, je vais vous montrer un deuxième glitch qui, lui, va vous permettre de gagner des XP en restant AFK. Donc sans rien faire, vous allez gagner des XP, donc il est plutôt pas mal. Alors le glitch, le code du glitch de la map, c'est alors 7 3 6 9 5 7 4 5 6 7 5 8 point d'interrogation V
égale 10. Voilà, comme ceci. Donc mettez bien la version numéro 10, comme d'habitude, pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous. Parce que c'est possible que si vous mettez une autre version, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ensuite, quand vous avez bien noté le code, vous attendez que l'île se charge. Voilà, quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Alors, en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc là, quand vous rentrerez dans l'île, vous pouvez mettre le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Donc merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à mort la chaîne. Et là, vous attendez que le jeu se lance. Donc, quand le jeu s'est lancé, vous voyez, il y a la cabine téléphonique qui est juste ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les deux rampes ici. Vous montez sur la rampe de gauche. Vous allez mettre un plat. Ensuite, en plein milieu du plat, vous allez danser. Voilà, vous allez faire une petite émote. Ce qui va faire apparaître un bouton derrière la cabine téléphonique. Donc, juste ici, normalement. Voilà, regardez. 153 638 XP. Donc là, je suis à 34 900 XP. Donc là, on va appuyer. Voilà, on interagit avec. Et normalement, je vais gagner des XP sans rien faire. Donc, je suis à 34 000. Ben, normalement, ça devrait marcher. Ah, c'est bon. Ah ouais, mais non. Ok, je gagne des XP sans rien faire. Mais j'en gagne pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. La personne que j'ai vue réaliser ce glitch, elle en gagnait toutes les secondes, elle gagnait 1000, 2000, 3000 XP. Là, moi, je gagne 30 XP par seconde, plus ou moins. Ouais, 30 secondes. 30 XP par seconde. Je vais essayer d'appuyer une deuxième fois sur le bouton pour voir si ça me rapporte plus d'XP. Peut-être qu'il faut le spammer un peu plus. 30. Ouais, non, c'est toujours pareil. Je vais quand même interagir avec le bouton plusieurs fois au cas où. Ah, hein ? Il avait disparu. Je peux pas laisser mon doigt appuyer sur carré ou quoi? Ah si, c'est bon. Si je laisse mon doigt maintenir sur carré, je pourrais même mettre un élastique si je veux. Comme ça appuie en illimité sur carré. Mais est-ce que ça me rapporte vraiment plus d'XP? C'est ça la question. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de me rapporter. Ouais, peut-être. Ah là, j'ai gagné 50 XP. 30, 40, 30... Ouais, ça varie entre 30 et 40 et 50 XP par seconde. Après, c'est quand même sans rien faire. Donc, je reste là pendant 3h47, je gagne des XP sans rien faire. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, c'est quand même plutôt rentable. Surtout que la personne qui a présenté ce glitch, elle gagne 1000, 2000, 3000 XP par seconde. Donc, c'était vachement rentable pour cette personne. Donc, c'est possible que pour vous, ça le soit encore plus. C'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Moi, je suis peut-être bridé parce que justement, je viens de prendre... 65 000 juste avant, donc je sais pas si ça c'est lié, mais bon, bref, en tous les cas, je vous ai présenté les deux glitches que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace. Yummy, bruh.